c'était en découvrant des œuvres comme Wicked City de Yoshiaki Kawajiri que j'ai commencé à comprendre vraiment quelle est la beauté de l'animation japonaise. Qui, ma foi, moi, pour moi, c'est lettre de noblesse. C'est vraiment entre les années 70 et les années, on va dire années 2000, on va dire entre 70 et 2005, 2006, 2007 là, que pour moi l'animation japonaise produisait vraiment des choses de qualité. Et dans les années 80, alors là ils étaient au pic, ils étaient vraiment au pic et tout, parce que l'animation japonaise était créée par des bonhommes quoi. C'est-à-dire que quand tu regardes Wicked City par exemple, je veux même pas parler du scénario, je veux même pas parler, mais juste regarder l'esthétique. Voilà, on est en 87. Regardez juste l'esthétique que ça. On dirait tous les codes du cinéma noir. Tu n'as pas besoin de savoir que le mec, il a regardé les trucs de Philippe Marlowe ou il a regardé les films de. Comment il s'appelle encore? King Vidor, le réalisateur un peu des années 50. Hein. Bref, il y a l'esthétique du cinéma noir. On sent quelque chose de mature. On sent des gens. C'est tout ce que je reproche à l'animation. On sent encore que c'était fait à la main. Que c'était même pas encore fait. Il n'y avait pas trop d'électronique encore qui dominait là, même dans les dessins. Ça se sent là. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans. Et c'est un peu mon problème avec l'animation japonaise actuelle. Elle est faite un peu par des gens un peu que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas énormément d'expérience dans la vie. Parce que ça, une œuvre comme ça, c'est fait par quelqu'un qui a du vécu. Qui a du vécu, qui a du sens, c'est mature. Mature. Et Wicked City, je vous le conseille vraiment. Je veux pas vraiment vous donner le plot ou quelque chose comme ça, parce que le plot n'est pas forcément impressionnant là. Tout ce que je peux vous dire par là, c'est que ça a eu beaucoup c'est parmi des œuvres, comme la plus grande majorité des œuvres de Yoshiaki Kawajiri, ont beaucoup impacté les Wachowski. On va pas les Wachowski quand ils étaient des frères. Pas les Wachowski quand ils sont des sœurs là maintenant. Je parle de la version frère là. Et justement, la version frère là, ils avaient sorti un premier film avant Matrix qui s'appelait Bound. Et déjà, même dans Bound, tu peux voir l'esthétique vraiment des travaux de Yoshiaki Kawajiri. C'est pas pour rien qu'après ils vont travailler ensemble dans. Comment il s'appelait le truc, l'Animatrix, où il va faire deux courts-métrages là-bas. Et c'est un peu une petite vidéo pour vous montrer un peu juste cette œuvre qu'est Wicked City, qui pour moi un testament de la grande qualité que l'animation japonaise peut apporter à travers la manière de raconter des histoires sur une autre. Sur un autre format, sur un autre format que le cinéma ou les séries de télé ou que la littérature. Et quoi qu'on en dise, hein, les Japonais, en termes d'animation, ont vraiment tué le game depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'ils dominent actuellement. Mais pour moi, la qualité n'est plus autant bonne que celle dans les années 80, 90, 70 ou années 2000. Et Wicked City me rappelle encore à quel point l'animation japonaise était au pic dans les années 80. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un pouce. À plus tard pour d'autres aventures.